eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. Bon ben voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La dernière vidéo concernant la spéciale débutant. J'essaye de pas trop vous montrer mon visage parce que il fait un petit peu peur en ce moment. Je suis très fatiguée, on a des problèmes personnels donc. Donc voilà, donc nous on se retrouve, j'ai fini, donc je vais aborder avec vous le fait que j'ai fini donc ma toile, donc il y aura deux parties en fait, il y aura la partie où je vais vous montrer ce que je vais faire de ma toile, et la partie où je vais vous poser des questions par rapport à une... un cadeau qu'on va vous faire, c'est surtout Pat qui vous le fait, en guise de remerciement. Et puis, ça nous permettra en fait de voir si vous regardez réellement nos vidéos. Donc, je pense que je vais vous poser des questions déjà pour commencer. Donc, le but en fait, c'était que, on a fait des vidéos à trois. Alors, pas trois sur la même vidéo, mais chacune de notre côté, puisqu'on habite à des endroits différents. Donc, d'un côté, il y a Charlotte qui fait ses vidéos, donc spécial débutant, sur sa chaîne Licornas fait du diamond painting. Elle devait faire une toile en diamant carré. Voilà. Après, nous avons donc Pat, ma chérie Patricia, qui elle aussi donc faisait une vidéo spéciale débutant sur la chaîne donc Pat 69 Création, Pat Fimo Diams. Voilà, c'est un petit peu long, mais comme ça je mâche pas les mots à chaque fois. Elle devait faire donc une toile en diamant rond, pour vous montrer. Et puis moi, voilà, les envies de Crivia, que vous connaissez. Voilà, vous êtes plus de 380 abonnés au jour d'aujourd'hui, donc vous savez à force. Et moi, je devais faire donc une vidéo spéciale débutant pour l'étoile en diamant spéciaux. Donc voilà, hein, c'est des vidéos rapides. Hein. Je vous ai fait une première vidéo où je vous ai expliqué comment moi, personnellement, je préparais mon plan... Oui, on peut dire ainsi, mon plan de travail ou ma façon de travailler pour pouvoir faire les toiles ou même les petites sacoches, les boîtes, les petits porte-clés, voilà, tout ce qui est en diamant spéciaux. J'ai une façon bien particulière à moi de travailler et qui me convient très bien, donc voilà. Et sur la deuxième vidéo, donc j'ai fait une petite vidéo de une heure à peu près où on a papoté ensemble et où je vous ai montré comment j'avançais la toile. Et puis cette vidéo, donc j'avais pas besoin d'en faire 36 000. Hein, déjà les vidéos vlog à la base, c'est pas trop mon trip. Il va falloir que je m'y mette parce que visiblement c'est très recherché au niveau des abonnés, donc je suis en pleine réflexion pour la rentrée, il va falloir que je voie, que je me mette un planning en place. Et donc j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de vous dire. Donc voilà, moi j'avais la toile à faire, et donc cette dernière vidéo, en fait, je vais vous montrer du coup ce que je vais faire de la toile. Sur la deuxième vidéo que j'ai fait, donc la deuxième partie, j'hésitais encore à savoir si j'allais l'encadrer ou savoir si j'allais la vernir. J'ai fait le choix un peu facile en fait de l'encadrer. Alors, j'ai triché un petit peu, hein, j'ai commencé à préparer vite fait ce matin entre deux gâteaux, mais voilà, pour vous faire simple, en fait, j'ai acheté, mon chéri m'a acheté un cadre chez Action,
Voilà, en 30 par 40. En 30 par 40 pour un montant d'à peu près 4 euros, même pas tout à fait, 3,95 € ou 99, je sais plus. La plaque est en verre, ce n'est pas du plexi, donc c'est très bien. Moi, ça m'arrange parce que j'ai déjà acheté une plaque, un encadré avec une plaque en plexiglas et en fait, c'est trop mou. J'avais mis un DP fait en carré et d'une dimension de 45 par 60, je crois. Et le DP est trop lourd en fait par rapport à l'encadré. Le cadre n'était pas assez lourd. Enfin, voilà. Le DP trop lourd, le cadre pas assez lourd. La partie transparente donc que moi j'aime bien qui est en verre, là était en plexiglas. Mais quelque part ça m'arrangeait aussi parce que du coup en fait c'était pour mettre dans la chambre d'un enfant. Donc au moins je sais que si le cadre tombe pour X ou Y raison, voilà, ça ne va pas se casser. Au pire, c'est le bois qui va se casser, mais ce ne sera pas du verre. De ce côté-là, pour le coup, j'avais la conscience tranquille. Vous l'avez compris, moi j'ai décidé de mettre mon DP en diamants spéciaux en cadre. Donc j'ai triché un peu ce matin, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à le préparer, mais j'ai arrêté pour vous montrer la suite. Quand vous achetez votre cadre, vous avez donc l'encadré avec le verre. Et après, en dessous, vous avez donc un papier et la planche en bois. Donc j'ai enlevé la planche en bois. Et pour faire quelque chose de joli, parce que moi, ma toile fait 25 par 35, mais avec les rebords. Donc je vous montre. Vous voyez, elle est terminée. Elle est jolie, hein. Voilà. Et en fait, elle fait donc, comme je vous disais, 25 par 35, mais avec les rebords. Sinon, ça fait du... Enfin, pas tout à fait 20 par... pas tout à fait 30. Donc, du coup, en fait, eh bien, j'ai triché. J'ai pris le papier qu'il y avait dans le cadre et je lui ai fait un prédécoupage. Voilà. Comme ça, en fait, ça va me faire un fond blanc, un peu comme là. Ça va me faire un fond blanc, mais du coup en fait ça va être blanc blanc et pas blanc parce que là pour le coup ça fait pas blanc cassé, mais voilà, la toile n'est pas tout à fait blanche blanche. Et puis j'aurai pas cette écriture là, j'aurai pas le tableau là de ce côté là et tout ça, donc ça fera quand même mieux. Sachant que c'est une toile en diamant spéciaux, c'est quelque chose qui est vraiment pas lourd. Voilà, c'est très léger, enfin très léger. C'est léger. Donc du coup, je vais opter pour la façon en fait où je vais mettre donc mon encadré que j'ai découpé, mon encadré blanc que j'ai découpé. Je vais le mettre de façon à ce que ça entoure mon DP et je vais le maintenir avec du scotch. Voilà, ça tiendra ce que ça tiendra. De toute façon, en temps normal, je n'accroche pas ce genre de... Je n'accroche pas ce genre de DP. Généralement, j'accroche les DP, les grands grands DP que je fais. Je n'accroche pas les DP en diamants spéciaux. Voilà, c'est un choix personnel. Après, chacun fait comme il veut, mais moi, mon choix, c'est de ne pas les accrocher. Donc voilà. Là, je l'ai mis de façon à ce que le bord soit bien au bord. Et après, ben, je vais mettre du scotch tout autour. Hein. Je vais vous montrer après. Alors moi j'utilise du scotch blanc transparent. Voilà. Et je pense que ça va faire joli. On va vérifier quand même que en le posant comme je le mets. Hein, faites attention à ce qu'il n'y ait pas de décalage. Hein, parce qu'après, ça va pas faire super joli. C'est pas une toile qui est super facile à travailler. J'avais pas envie d'allumer mon fer à repasser, mais bon, pour les personnes qui veulent en faire et qui veulent après les encadrer, je vous conseille quand même d'allumer votre fer. Voilà, moi je l'ai pas fait, j'ai fait la feignante, j'ai pas le temps. Je vais pas allumer le fer à repasser juste pour ça, enfin ma centrale vapeur juste pour ça. Donc du coup, ouais, j'ai fait ma feignante et
J'ai essayé de le mettre sous quelque chose de dur, mais même comme ça, en fait, on avait tendance à avoir les plis. Ça y est, là, j'ai... C'est toute une question de justesse, en fait. Parce que si c'est pas assez... Bon, une chose est sûre, c'est que ça colle bien au papier. Après, il faut bien le... Bien le mettre, parce que... sinon, vous allez avoir un écart et ça va pas faire joli. Allez, on va voir. Ouh là là, ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Hein. Voyons voir. Je l'ai trop remonté. Là. Peut-être la mise depuis le début. Ouais, je pense que c'est ça. Le plus compliqué, en fait, c'est d'arriver à le mettre en place correctement. Et après, de faire en sorte que ça fasse joli au niveau de l'encadré. Après, j'ai choisi personnellement un cadre blanc. Voilà, parce qu'il y avait un petit peu... au niveau des couleurs pastel, je pensais que ça sortirait nettement mieux. Voilà, j'ai fait le boulet. Hein, fallait bien que... Au moins, la vidéo ne durera pas que 2 secondes. Je plaisante. Là, voilà. Tout ça d'arriver à le mettre correctement. Hop. On va le mettre correctement en haut et en bas. Et après, on fera les côtés. Alors, mettez pas que des petits bouts de scotch, hein. Moi je mets des grands morceaux, comme ça au moins. Ça prend bien une partie et je vais en mettre en haut, en bas et sur les côtés. Allez, on va faire ce là. Et ben voilà, ça va faire nickel. Là, ça tient bien. Et là, ça tient bien. Donc, une fois que ça va être super bien, enfin, que j'aurai mis le contour de cadre, ça va faire joli. Hop. Voilà. Là, on va faire pareil. On va en mettre sur les côtés. Je vais vous montrer. Hein. Voilà, ça c'est le genre de choses que le scotch là, c'est le genre de choses qu'on peut faire quand on met les diamants spéciaux en cadre, parce que les toiles sont pas très très lourdes. Par contre, je vous déconseille de le faire sur des toiles pleines qui sont très très lourdes, parce que bah, ça tiendra pas. J'ai essayé, voilà, j'ai fait l'expérience, hein, comme tout le monde. Pour pouvoir donner des conseils, on essaye et j'ai vu que ça n'avait pas marché. Donc, du coup, ben maintenant, quand je fais des toiles, soit je prends le cadre qui correspond à la taille, soit je fais faire de sur-mesure. Voilà. On peut bouger un petit peu là. La toile vers le haut légèrement, puis après comme ça va être sous cadre, du coup forcément ça bougera moins une fois que c'est encadré. Alors vous voyez, ça fait un, là vous voyez le truc à transparent parce que je vous le mets à la lumière, mais sinon sinon ça se voit pas, en fait. Voilà. Ça vous fait un encadré. Et donc après, vous prenez donc votre cadre. Voilà, on prend le cadre. On prend la toile, on la positionne. Voilà. On prend le morceau de bois qui va avec. Donc faites attention parce que généralement, vous avez les parties là pour pouvoir accrocher au mur. Donc faites attention à bien le mettre à l'endroit. Voilà. Donc parce que sinon vous êtes obligé de le réenlever et de recommencer la mise. Bon, c'est pas le plus chiant, hein, mais bon, voilà quoi.
Alors, là, hop, on fait attention parce qu'il y a des petites encoches qui viennent à maintenir, qui servent à maintenir le cadre. Et donc après, alors d'habitude je fais avec une cuillère, mais là j'ai pas. Donc après, ben, vous venez avec votre ciseau ou une cuillère à café et vous remettez, vous voyez les petites encoches là que vous voyez là, ben, il faut les réaplatir pour pouvoir remettre le... Il n'y a rien de compliqué en soi, hein, c'est une des choses les plus faciles à faire. Moi je ne suis pas à la base très fan de mettre du vernis sur les DP. Voilà, pourquoi? Ben parce que je ne les laisse pas à l'air libre. Voilà, s'ils restent à l'air libre, c'est le temps de les encadrer. Sinon, une fois qu'ils sont faits, ils sont déposés en fait sur une planche dans le meuble que mon chéri m'a fait. Voilà. Et donc. Et donc voilà, ben, ça rend pas trop mal. Voilà, vous voyez. Tout simplement. Voilà, donc je vais pouvoir me l'accrocher. Enfin, mon chéri va pouvoir me l'accrocher. Après, bon, mais voilà, hein, si vous avez l'âme d'un artiste ou d'une artiste, vous pouvez très bien ce contour-là le garder et puis après vous le peindre pour essayer de récupérer un peu les mêmes coloris qu'il y a autour du diamant spécial. Voilà. Mais ça fait joli. Voilà, tout simplement. Et là, je sais au moins que ça va bien tenir. Les diamants ne vont pas s'en aller puisqu'ils sont plaqués contre le verre avec l'aide du bois. Donc voilà. Donc, vous voyez, ça fait un joli rendu quand même. Voilà. Puis c'est pas lourd, c'est... voilà. Je ne sais pas encore où je vais le mettre. Mais voilà, vous voyez, les couleurs sont magnifiques. Hein. Bon, vous voyez un peu le reflet de ma vitre, mais c'est pas grave. Voilà, donc ça c'était pour la dernière partie concernant la toile en diamants spéciaux que je devais faire pour vous montrer pour les débutants. Alors, rien de très compliqué, hein, à partir du moment où vous avez en main le DP, que ce soit rond ou carré, peu importe, hein, une fois que vous l'avez en main, le DP, tout ce qui est en diamants spéciaux, en fait c'est un jeu d'enfant. Voilà, donc pour moi les vidéos de ce côté là sont terminées. Je vais passer à la deuxième partie. Moi mes vidéos sont très courtes concernant les vidéos débutantes parce que il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas grand chose à montrer. Voilà, mais je vais laisser le soin donc à Pat de vous expliquer le but du jeu puisque l'idée vient d'elle, le cadeau vient d'elle. Nous on joue le jeu justement pour qu'il y ait un visuel en fait sur les trois chaînes. Charlotte devait poser des questions concernant les vidéos que Pat avait fait. Pat doit poser des questions concernant les vidéos que j'ai faites et moi je dois poser des questions concernant les vidéos que Licornas a fait, donc Charlotte. Donc ça va être simple en fait, je vais vous poser des questions, donc il y a trois questions et il faudra répondre en commentaire donc sous la vidéo, faudra répondre aux trois questions. Voilà, et donc vos réponses vaudront participation. Ça veut dire que si vous répondez mais que vous répondez qu'à une, ben tant pis, on comptera que vous avez qu'une réponse. Si elle est bonne, tant mieux pour vous. Si elle n'est pas bonne, ben tant pis. Ça va être en fait à la personne qui aura trouvé le plus de réponses sur nos trois chaînes reliées en fait. Voilà, si vous avez participé aussi sur celle de Charlotte, eh bien, si vous avez tout juste, on comptera tout juste. Ça vous fera trois questions. Si vous avez fait pareil sur celle de Pat, ça vous fera trois questions supplémentaires. Et si vous avez fait pareil sur la mienne, ça vous fera trois questions supplémentaires. Donc, au plus vous répondez aux questions, au plus vous avez de chances de gagner. Surtout si vous avez regardé les vidéos. Voilà, c'est un peu plus facile quand on regarde les vidéos. Les questions ne sont pas trop compliquées. Mais voilà, comme je vous l'ai expliqué au début, le but en fait c'est d'être sûr que vous avez bien un visuel sur toutes nos vidéos et que vous les avez bien regardées en fait. Voilà, tout simplement,
on a fait les chippies et parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui sont abonnées aux chaînes, qui ne regardent pas les vidéos ou qui regardent que un quart ou qui regardent que la moitié. Bon, elles font ce qu'elles veulent. Hein. Mais là, le but du jeu, en fait, voilà, c'est de voir si vous avez bien suivi nos petites vidéos spéciales débutants. Donc, moi, la première question concernant les vidéos de Charlotte, parce que je ne vous dis pas dans quel sens j'ai pris les vidéos pour vous faire les questions. Après, ce sera à vous d'aller décortiquer tout ça. Mais voilà, donc la première question, combien de couleurs contient la toile que Licornas, donc Licornas alias Charlotte, fait pour la vidéo débutant? Donc pareil, hein, je vous invite à répondre en commentaire. Pas en message privé, rien du tout, en commentaire sous ma vidéo. Question numéro 2. Quel est le nom de la boutique où Licornas a acheté sa toile? Voilà, elle le répète à plusieurs reprises. Donc, donnez-moi le nom et puis donnez... Enfin, voilà, il faut que ce soit le nom exact quand même. Et ensuite, troisième et dernière question. Licornas utilise la pince pour faire sa pose dans une de ses vidéos. Quelle phrase elle utilise et qui peut vous faire rire? Voilà, elle utilise la pince pour montrer comment on se sert d'une pince. Et elle dit quelque chose à un moment donné concernant la pince. Quelle est cette phrase qu'elle dit? Voilà, c'est quelque chose de très simple, qui est assez marrant d'ailleurs. Mais voilà, je me suis noté moi les réponses, comme ça je vais le donner aux filles. Parce que moi, je vais être occupée une partie du week-end et en début de semaine. Et après, je m'en vais en vacances. Donc, j'aurai peut-être pas le visuel sur toutes vos réponses. Mais elles, oui. Donc elles pourront regarder si vous avez bien répondu à tout. Voilà, donc je vous invite, comme d'habitude, si vous ne l'avez pas déjà fait, que vous êtes abonné à ma chaîne, que vous voyez cette vidéo, je vous invite donc à vous abonner aussi à la chaîne de Charlotte. Donc c'est Licornas, fille du Diamond Painting. Voilà. Et la chaîne de Patricia aussi, donc Pat 69 Créations, Pat Film Audiams. J'essaierai de vous mettre tout ça en description, voilà, en plus de mes données personnelles, essayez de bien répondre dans l'ordre, voilà, et oui, effectivement, ça vous oblige à regarder les vidéos, mais c'est un petit peu le but du jeu. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Pour moi, ce fut un grand plaisir de faire ces vidéos en compagnie virtuelle de mes copines. Voilà. Et nous, on se retrouve très très vite, très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux plein d'idées, nouveaux événements. Enfin voilà, je suis en train de vous préparer une petite surprise pour la rentrée. Mais voilà, je vous en dirai peut-être plus un peu plus tard. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao ciao! To the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe